Shalom, shalom, chers amis internautes, shalom, shalom à tous les enfants spirituels qui venaient à peine de me prendre en ligne. Nous sommes à cette date aujourd'hui du vendredi 10 novembre 2017, depuis la ville de Lyon. Voilà, pour donner de mes nouvelles, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Recevez la grâce et la bénédiction du Seigneur dans votre famille, dans votre vie, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Je suis là justement pour vous donner la suite de mon programme. Après cette grande, n'est-ce pas, rencontre de la Convention internationale de délivrance qui a eu lieu à Lyon, vraiment qui a eu un grand succès, n'est-ce pas, que le Seigneur vous bénisse. Donc là, je suis là pour vous donner la suite de mon programme. Voilà. La parole de Dieu déclare dans Matthieu, il dit, allez partout et fais des nations des disciples. Il y a dit partout et fais des nations des disciples. Nous répondons à l'ordre suprême, c'est d'aller faire des nations des disciples, prier pour eux, les délivrer parce qu'ils en ont besoin, leur apporter l'évangile du Seigneur. Voilà, et quand on reçoit la puissance de Dieu selon Acte 1, le verset 8, je vous donne la puissance, en fait, vous savez, mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on parle des extrémités de la terre, on parle de l'Europe, on parle de l'Asie, on parle de l'Amérique. Voilà, si on a commencé par Jérusalem, qui est la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, si on a commencé par la Judée, dans les pays, dans les villes de la Côte d'Ivoire, des régions de la Côte d'Ivoire, aussi l'Europe aussi a besoin de nous, l'Asie a besoin de nous, l'Amérique a besoin de nous. Donc, qu'a permis aussi l'Europe, donc une tournée européenne. Voilà, nous avons fini, n'est-ce pas, la Convention internationale de délivrance. Il s'agit maintenant de répondre, n'est-ce pas, aux besoins des personnes qui ont besoin, vraiment besoin d'être délivrées. Donc aujourd'hui, à cette date, aujourd'hui du 10 novembre, aujourd'hui 10 novembre, là, nous sommes en train de nous apprêter pour aller à Toulouse. Nous partons maintenant à Toulouse pour aider une famille. Je tenais à préciser une chose. Le programme de Toulouse, c'est dans un cadre familial. Le programme de Toulouse, c'est premièrement dans un cadre familial, donc privé. Voilà, c'est un cadre privé. Voilà, je ne viens pas faire un programme à Toulouse. C'est vrai que depuis hier que je vais faire une vidéo, je crois que les pasteurs ont commencé à s'agiter, il me semble. Les gens commencent à s'agiter, ils ont peur par-ci, par-là. Un pasteur qui a peur du prophète Crasso, et ça veut dire qu'il est sorcier. Voilà, ça veut dire qu'il est sorcier et tout ça. Donc, je ne suis pas, ma mission, ce n'est pas pour, contre les pasteurs. Mais ma mission est aussi contre les pasteurs qui se déguisent en vêtements de loup. Voilà, on leur a enseigné la vraie évangile du Seigneur, c'est autre chose qu'ils enseignent. Moi, je ne suis pas là pour les polémiques. Je m'en vais à Toulouse pour, n'est-ce pas, rencontrer une famille qui nous a payé les billets d'avion, qui nous a payé les billets, bien sûr, nous ont payé des billets. Et nous partons à Toulouse pour la prière, pour aider une famille. Parce que j'ai dit, après la Convention internationale de délivrance, nous devons, n'est-ce pas, rendre visite à des familles qui aimeraient, bien sûr, que nous leur rendons visite. Donc, nous partons pour rendre visite à une famille, et c'est dans le cadre privé. Cela n'empêche que ceux qui veulent avoir des livres, acheter des livres, Maman Bessoura sera là, n'est-ce pas, vous l'appelez carrément, et pour vous procurer du livre. Comme je disais, le livre à 100 euros. Voilà, donc je pars à Toulouse. Et toute l'équipe d'ailleurs, nous serons à Toulouse ce soir. Nous partons tout à l'heure, nous prenons nos TGV, bien sûr, ce n'est pas l'avion, bien sûr, en TGV. Et nous serons à Toulouse tout à l'heure, à Toulouse, dans la soirée à Toulouse. Ceux qui veulent bien acheter le livre du prophète Joël Crasso, vous appelez Maman Bessoura. Elle vous donnera le livre à Toulouse. Voilà, nous serons de retour à Toulouse le dimanche. Voilà, donc, et au fur et à mesure, nous allons continuer à répondre aux invitations des personnes dans les différentes familles. Voilà, j'ai tenu aussi à dire le programme de l'Italie. Un programme de l'Italie. Le programme de l'Italie dont j'ai tenu à dire shalom à Dodi Champion, shalom à ma fille de Asti. Voilà, donc le programme de Toulouse, le programme d'Italie, c'est du 24, 25, 26 novembre. Voilà, je précise très bien, 24, 25, 26 novembre, vous contactez Donny Champion. Voilà, vous appelez le secrétariat, on vous donnera le contact de Donny Champion. Donc, le programme d'Italie, un grand programme de délivrance dans toute l'Italie, toute la diaspora, tout le monde doit être à ce programme d'Italie. À partir, n'est-ce pas, du 24, 25, 26 novembre, c'est à l'Italie. Voilà, donc la semaine prochaine, le week-end prochain, nous serons, n'est-ce pas, à Marseille. C'est-à-dire, le week-end qui suivra. Voilà, nous serons à, n'est-ce pas,
à Marseille. Nous serons à Marseille dans le cadre d'aide aussi, une famille et tout ça, et au fur et à mesure. Donc, aussi le programme, j'annonce aussi le programme de Paris. Le programme de Paris, c'est à partir, n'est-ce pas, du 8 et 9 décembre. Le programme de Paris, c'est le 8 et 9 décembre. Tout le monde est invité, et c'est la pouteuse d'ailleurs, le 8 et 9 décembre. Et nous serons aussi, en Suisse à partir du 15, 16 décembre. Voilà, donc, voilà, voici le numéro, voilà. Donc, shalom, shalom à vous. Que Dieu Seigneur vous bénisse. Je vous salue. Soyez fortifiés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je venais là de vous donner la suite de mon programme. Voilà, donc, sans toutefois me répéter, parce que là, même la répétition est pédagogique, je reprends. Tout à l'heure, nous prenons nos TGV pour aller à Toulouse dans le but, dans le cadre d'aider une famille. C'est dans un cadre très privé. Ce n'est pas un des grands programmes en salle. Éventuellement, ceux qui aimeraient acheter un livre, le tout dernier livre, le prophète Joël Crasso, vous appelez Maman Bessoura, n'est-ce pas, étant à Toulouse, elle vous donnera, fournira le livre. Voilà. Et nous serons de retour dimanche à Lyon, parce que Lyon, c'est notre base, n'est-ce pas? Et également, la semaine, le week-end prochain, nous serons à Marseille, dans un cadre aussi très privé. Voilà, nous avons déjà beaucoup de personnes qui sont sur la liste des personnes qui devront rendre visite dans les familles et tout ça pour des délivrances. Et le programme d'Italie, c'est le 24, 25, 26 décembre. 24, 25, 26 décembre en Italie, par la grâce de Dieu. Et nous serons, par la grâce de Dieu, à Paris le 8 au 9 décembre. Paris, c'est le 8 et le 9 décembre à Vitrine-Sicène, la même salle, Vitrine-Sicène. Voilà, donc Paris, c'est du 8 au 9 décembre avec des actions prophétiques. Nous allons nous révéler les choses que la franc-maçonnerie prépare pour l'année 2018. Quelles sont les stratégies du diable contre l'Église en 2018? Je l'ai déjà expliqué. La stratégie du diable, c'est d'affaiblir l'Église, c'est d'affaiblir massivement l'Église et d'imposer le chiffre 666. J'aurais déjà expliqué pourquoi le président français demande que 11 vaccins soient en exécution à partir du mois de janvier 2018. J'ai déjà expliqué aussi, pendant ma convention, que l'église de Satan sera officiellement connue, ouverte à partir de 2018. Ils ont déjà plus de 60 000 adeptes au niveau de la France. Voilà, donc c'est des stratégies, des choses comme ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure pour que l'église se prépare, pour que l'église se prépare au grand combat. Et vous savez très bien que la franc-maçonnerie s'est levée contre l'église. Bientôt, les églises de réveil, les églises évangéliques seront fermées ici en France. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on révèle au peuple de Dieu. Et nous mettons dans un combat spirituel. Shalom, soyez bénis. Et